Bonjour, je m'appelle Eleanor Coleman et je suis ravie de modérer ce panel organisé par Unifrance dans le cadre du 60e Festival d'Annecy, un grand anniversaire pour le festival. Et je suis très honorée d'animer cette discussion entre deux réalisatrices et un réalisateur. Leurs films sont sélectionnés en compétition officielle court-métrage cette année. On a de Bruxelles Melanie Robert Tourneur pour son film Hold Me Tight, de l'île de la Réunion Kajika Aki-Ferazani pour son film Mom, et à l'île Marine Blin, elle c'est un deuxième film, les deux autres films ce sont des premiers, et son film s'appelle Ce qui résonne dans le silence. Je pense que ce qui sera intéressant, que juste que chacune de vous présenter un peu vos parcours et pourquoi vous avez envie de faire ce film en particulier. D'accord? Marine, peut-être vous pouvez commencer comme c'est votre deuxième film. C'est quoi votre parcours et qu'est-ce que vous avez envie d'explorer dans ce deuxième film? Alors, moi, j'ai fait plusieurs écoles d'animation françaises. Je suis passée par les SAT de Roubaix, MK Angoulême et ensuite La Poudrière. Voilà, j'ai bien aimé être étudiante. Ça a duré un peu. Et effectivement, Ce qui résonne dans le silence, c'est mon deuxième film, puisque j'ai participé à une collection qui s'appelle En sortant de l'école, qui sont des collections de films de commande pour France Télévisions. Donc voilà, j'ai fait un film dans le cadre de la saison 1 d'En sortant de l'école. Ce qui résonne dans le silence, c'est mon C'est des premier. poèmes. Vous avez fait un poème de Jacques Prévert. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'était vraiment la toute première saison. J'ai fait un film qui s'appelle Quartier libre. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer du coup à ce programme-là, avec lequel j'ai continué à avoir des accointances, puisque j'ai bossé de nouveau avec en sortant de l'école plusieurs années d'affilée, mais cette fois-ci en accompagnement technique et artistique des projets. Voilà. Ah, super. Donc, une grande chance, un super boulot. Et Ce qui résonne dans le silence, c'est mon premier film, entre guillemets, entièrement personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail d'adaptation ni un travail de commande. À la base, c'est un film qui résulte en fait d'un exercice d'écriture que j'ai fait pendant mes études. En tout cas, la première implication que j'ai eue avec ce film-là, c'est issu d'un atelier d'écriture. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le producteur qui m'a produit, Papy 3D, m'a proposé en fait de présenter un projet à l'aide automatique, l'aide au programme. Alors, je sais que les mots ont changé, donc excusez-moi si je ne suis pas très au fait du nom de toutes les aides. Et du coup, voilà, à ce moment-là, j'avais en tête deux projets assez différents. Un beaucoup plus classique dans sa narration et celui-ci qui était plus sur une base d'écriture automatique et voilà, de choses un peu plus instinctives. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller vers ce film-là, qui était peut-être moins évident. Mais si je pouvais être aidée comme ça avec une aide automatique pour pouvoir produire un film, autant en profiter pour aller sur un film que j'avais envie de faire un peu différemment. Voilà. Et j'ai l'impression que vous parlez du deuil dans votre film. Alors, du deuil, oui, d'une certaine manière, je suppose. Pour moi, le cœur du film, c'est vraiment la place qu'on garde de la dernière image qu'on a de quelqu'un. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'était d'évoquer le fait qu'on ait le choix de voir ou non cette dernière image. Donc forcément, oui, ça a trait au deuil aussi, puisque ça fait partie du travail de deuil pour certaines personnes. Encore une fois, le film ne parle absolument pas d'obligation. Ce n'est pas du tout à moi de dire la place que doit avoir cette dernière image ou non dans la vie de quelqu'un. Mais ça me semblait important de pouvoir évoquer ce sujet-là. Je pense que l'image de la mort est de plus en plus taboue.
parce qu'on a des rituels en moins, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. On a tendance à aseptiser un peu toute cette partie-là. Et je pense que des images qui ont été cachées, qui ont été manquantes, parce que on croit que les enfants sont trop jeunes ou qu'on ne peut pas accompagner différemment. Je pense que ça peut être très compliqué de construire derrière ça son deuil et la perte de quelqu'un si on n'a pas accès, si on n'a pas eu le droit à l'accès à cette image-là. Voilà, c'était un D'accord. peu ça la base du projet. Ouais. Et ce que je trouve très beau dans ton film, si je peux intervenir, Ouais. c'est qu'il y a énormément de. On a vraiment l'impression qu'on se fait prendre par la main avec une délicatesse et une douceur même dans la voix, alors qu'on parle quand même de la mort. Et c'est vraiment un travail, peut-être une toute petite partie du travail de deuil qui est l'image et amener la mort à l'image, mais c'est d'une douceur. Et on se laisse vraiment emporter par le texte et la voix. Et les images qui découlent de façon extrêmement fluide. Enfin, j'ai trouvé ça super Oh, merci, merci beaucoup. beau. Il ben, y Moi, je avait. trouve ça très beau, les images fixes que vous avez utilisées. Il y avait quelque chose de très intéressant quand on rentrait dans ces plans. Ben, C'était y a très touchant. vraiment. Ouais. Il y a vraiment effectivement deux choses. Enfin, déjà, merci, C'est juste pour un cette retour. Ouais. remarque. Il y avait vraiment cette. C'est drôle parce qu'il y avait vraiment effectivement cette idée, en tout cas l'envie, que la voix soit assez intime et proche du spectateur. Et l'idée, c'était vraiment comme si on nous offrait une conversation. On est en soirée. On a peut-être bu un verre ou deux et on discute et en fait on raconte nos histoires. C'était un peu la sensation que j'avais envie d'avoir, celle d'une conteuse, de quelqu'un qui acceptait de partager cet intime-là et qui nous raconte à la fois ses souvenirs et qui ensuite parle de son métier et de comment elle aborde, elle, cette question-là, enfin ce que ça raconte en tout cas pour elle. Mais ce que je trouve vachement fort, c'est que la voix, elle est tellement douce et il y a un rythme qui est assez lent et doux et il y a quelque chose de l'ordre de la transe qui survient. Et en fait, dans ce truc de méditation et de transe où on se laisse complètement guider et prendre par la main, on arrive à toucher beaucoup plus facilement les émotions que par la logique même, enfin, une forme de logique qu'il pourrait y avoir où on cherche à déconstruire ou à vouloir amener quelque part. Et en fait, c'est ce truc où on amène quelque part sans forcément avoir se sentir forcé. Ouais. Et je Ça, trouve c'est que cool. ça, c'est une super transition vers le film de Mélanie, parce que c'est une autre forme de transe ou de danse avec ces personnages. So, peut-être vous pouvez parler un peu de votre parcours et qu'est-ce que vous avez amené à faire ce film en particulier? Alors, du coup, moi j'ai fait, donc je suis belge, j'ai fait mes études à moitié à Liège et à moitié à Paris, dans une école qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Lisa, pendant 3 ans. J'ai fini assez jeune l'école, genre 20, 22, 23. Et puis après, j'ai travaillé pas mal dans des studios. J'ai été aussi en Irlande, en France. J'avais toujours envie de faire mes films malgré tout ça. J'avais pas trop la vie de studio, on va dire. J'avais vraiment envie de travailler sur mes projets personnels. Du coup, je suis revenue à Bruxelles. Et j'ai commencé à développer des films, d'abord sous forme de clips. On a fait un clip avec en co-réalisation avec Eve de Roux, qui a aussi travaillé sur le film All Me Tide. On a fait un clip qui s'appelle Looper, qui servait un peu, on va dire, de bande démo après l'école. On avait envie d'avoir quelque chose en plus que notre film d'étudiant, en tout cas, à présenter, et quelque chose qui nous tient un peu à cœur et un peu tout ce qu'on n'avait pas pu faire pendant l'école. Du coup, on a fait ce clip qui a vachement bien marché à l'époque. Et puis moi, en même temps, j'ai commencé à avoir l'idée de Hold Me Tight très tôt, en fait, bah, genre à peu près à ce moment-là aussi, où genre j'ai passé
mon temps un peu à observer les comportements des gens dans les rapports de séduction qu'ils avaient, principalement dans les rapports hétérosexuels. Et voilà. Et moi, j'avais vraiment un feeling de quelque chose d'assez animal et d'assez prédateur qui avait une certaine beauté, mais qu'aussi qui partait très très vite dans quelque chose d'assez toxique. Et j'ai mis beaucoup de temps à vraiment analyser vraiment ce que je voulais raconter avec ce film. Parce que je crois que je vivais un peu les mêmes choses en même temps et je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Du coup, maintenant, je pense que je peux dire que genre, ce film, en tout cas, il est interprétable un peu selon les vécus de chacun, chacune. Mais moi, je vois vraiment une espèce de critique des rapports de prédation et de domination dans les relations de séduction hétérosexuelle, principalement. Du coup, ouais, j'ai un peu découvert ça au fur et à mesure de faire de demander les sous aussi, de trouver des producteurs, artistes. Et voilà, en fait. Je ne sais pas trop ce que je peux dire d'autre. C'était une longue réflexion, ça a pris vraiment longtemps. Genre, je crois que j'ai eu les premières idées parce que ça partait vraiment d'un feeling, d'une sensation. Donc, je voulais vraiment faire un film assez expérimental sur la sensation, pas trop narratif, voire pas du tout, et très très court. Je voulais vraiment que ça soit très très, très, très intense, que ça fasse vraiment genre une énorme montée et puis c'est fini. Ouais, c'était long. Genre, j'ai eu la première idée, je pense, en 2011, un truc comme ça. Là, je viens de finir mes Ah 24 ans. oui, c'est comme Marine, c'est quelque chose que vous aviez. Ouais, bah après, je mettais sur le côté, puis je revenais dessus, je faisais d'autres projets, j'ai fait le clip, enfin, j'ai fait plein de choses, j'ai Ça travaillé reste sur. là derrière ça. Ouais, j'ai travaillé sur le court-métrage de Lia Bertel aussi, Nuit Chérie, où j'ai fait les décors. Qui m'a pris un peu de temps aussi. Et enfin, genre, j'ai fait plein de choses. Et puis finalement, on a eu l'argent. C'était très dur d'avoir l'argent parce que vu que c'est un film bah, un peu expérimental, pas trop narratif, c'était très difficile d'expliquer aux gens que ça allait être bien et qu'on allait comprendre et que c'était un film vraiment sur bah, la sensation. J'ai pas eu droit à l'aide automatique, malheureusement. Du coup, ça a pris plus de temps. Ouais, j'ai mis genre 4-5 ans à avoir l'argent, un truc comme ça. Puis c'était mon premier film aussi, Oui, donc les c'était gens étaient un grand pas. combat. Ouais, c'était un combat. Mais tout était un combat dans ce film. Hein. Le film est un combat, la déconstruction de ce qui vient après le film est un combat. Enfin, j'avais vraiment un rapport assez toxique même avec ce film. Je suis très très content que ce soit fini, pour pouvoir passer à autre chose. Je suis content que ça soit là, existe et tout ça, mais que ce soit vraiment un morceau de moi qui soit jeté comme ça et que j'espère que les gens peuvent s'y retrouver quand même, parce que j'ai quand même essayé de faire quelque chose pas trop, enfin assez intime, mais qui puisse être assez interprétable pour tout le monde quand même. Et voilà. Que vous avez réussi, hein. Oui. Que c'est, on ne peut pas C'est rester dur. neutre devant votre film. Ouais, C'est je impossible. pense que le plus dur, c'était vraiment de garder des rapports égaux entre l'homme et la femme du film, en fait. Des rapports de force, qu'il n'y en ait pas un des personnages qui prennent plus le pas sur l'autre. Et que ça Que ce soit très bascule. balancé, voilà, il a fallu genre moi je voulais aussi dégenrer les personnages, que vraiment ils soient un peu comme si c'était des personnages un peu à-genre, comme ça, qui sont dans la forêt, qui n'ont pas du tout connu tous les codes et le patriarcat et tout ça, et que ce soit vraiment genre un peu, genre pur comme Sauvage. ça, ouais, sauvage et dénué de tout, et qui se laissent juste guider par leurs pulsions, on va dire, quoi. Voilà. Merci. Et Kajika, vous traitez complètement un autre sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur qui vous êtes et qu'est-ce qui vous inspire? Alors, moi, j'ai une relation très fusionnelle avec le travail. Quand j'avais 16 ans, en fait, et ça va découler
d'où la naissance de mon film. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée dans l'anorexie de façon très grave. Et en fait, je ne comprenais plus du tout comment fonctionnait le monde, etc. Enfin, j'avais l'impression que je ne méritais pas de vivre. Je suis arrivée sur Paris à 18 ans pour faire mes études d'art à Estienne en Et illustration. vous venez, et vous étiez où avant? J'étais à La Réunion. À La Réunion, d'accord. La Réunion, c'est ma terre natale. D'accord. Et du coup, je suis arrivée en métropole pour faire mes études d'art et je me suis dit que c'était une question de vie ou de mort et que si je ne faisais pas quelque chose dont j'étais fière, je pouvais mourir. Du coup, j'ai vraiment dessiné 10 heures par jour non-stop, sinon je faisais des crises d'angoisse, sinon je n'avais pas le droit de manger, sinon Ah c'était oui, vous intense. avez mis plein de règles. Ouais, j'avais besoin de Vous avez dessiner 10 heures par ritualisé. jour, je ne prenais pas de vacances, j'avais pas de week-end, j'avais absolument rien. Et mon travail, c'était ce qui me canalisait, ce qui canalisait mes pensées, ce qui canalisait tout. Et je suis rentrée à Gobelins en première année, il y a pas mal de temps maintenant. Parce que je voulais transmettre des émotions. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à atteindre mes limites en matière. Enfin, j'avais l'impression de devoir tout le temps courir pour survivre, de faire les exercices supplémentaires, puis de devoir dessiner 8 heures en plus par jour. Enfin, j'étais en train de me tuer. Et du coup, cette image de course pour survivre, c'est vraiment juste l'émotion de base. Un soir, je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. J'ai eu ces images-là de course-poursuite et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. C'était une période où je faisais du freelance à côté aussi. Du coup, j'avais réussi à rembourser mon année en un mois parce que j'avais travaillé comme une malade. Du coup, je me suis dit que j'allais quitter les Gobelins et que j'allais m'enfermer chez moi pour voir ce que ça faisait de faire un court-métrage tout seul. Et à partir de ce moment-là, je me suis enfermée dans mon appartement pendant plus d'un an. Et j'ai pas fait de storyboard pour mon film. J'ai sorti tous les plans les uns à la suite des autres. Je les ai animés comme ça venait. Et en fait, c'est à la fin de l'année, quand j'ai fait le montage du film, et j'ai vu que ça marchait à peu près. J'ai vu que ça marchait. Et là, j'ai compris que ça parlait de ma maman. Et de l'amour que j'avais pour ma maman et de ce lien hyper intense que j'avais avec ma maman et du fait que cette bulle d'amour que j'avais eue quand j'étais petite rendait absolument tout ce qui était à côté presque invivable. De revenir à cette source et à cet amour pur et brut qui offre toute la liberté d'être, c'était comme en fait, j'avais posé un problème qui était. Oui, là je vais pas bien, je suis en train de m'essouffler. Et le fait de produire chaque plan les uns à la suite des autres, vraiment en me laissant guider par mes intuitions et des images, etc., ça a amené la réponse. Ce qui est trop beau, c'est que mon film m'a fait pleurer moi-même quand je l'ai vu à la fin. Là, je me dis, mais ok, je vais toucher chez moi. Quelque chose qui me fait profondément du bien. Et Oui, voilà. c'est extrêmement personnel. C'est Ah, c'est un brut. processus complètement personnel que vous avez C'est déclenché, brut. vous avez arrivé au but. Oui, mais je suis incapable de réfléchir un projet. Je ne sais pas ce que je vais faire quand je le fais. Je le fais parce que j'en ai besoin. Et à la fin, je sais ce qui s'est passé. C'est un peu comme la vie, enfin la vie. Puis après, on se dit, ah, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Et puis avec le temps, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Mais c'est Ça. comme vous avez accouché quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Après, moi, je trouve que des fois, c'est un peu genre le système de financement de court-métrage ne laisse pas trop la place pour travailler comme ça, en fait, quoi. Enfin, genre, souvent,
Bah, souvent, les films sont thérapeutiques. Moi aussi, le mien était extrêmement thérapeutique. Ah, c'était clair, ouais. Et souvent, genre, quand on demande de l'argent, ça, mais pourquoi et pourquoi et comment et... Après, des fois, c'est intéressant quand même parce qu'à force de. Souvent, les retours des commissions, que ce soit les recours de commission CNC ou même Wallonie-Bruxelles, ce que j'ai eu, ils sont assez pertinents quand même. Enfin, en tout cas, moi, les retours que j'avais eus, ils étaient assez pertinents. Ils allaient un peu appuyer, genre, pourquoi tu dis ça comme ça, tu vois? Et du coup, tu allais genre, ah, c'est vrai, pourquoi je dis ça comme ça? Et du coup, ça force aussi des fois un peu ça force à pousser la réflexion. Et à se dire, en fait, je suis en train de raconter ça, et après, en fait, il faut l'assumer, en fait. Et je trouve que des fois, assumer ce qu'on raconte, parce que des fois, ça peut être des choses très dures, ou très personnelles, ou très, enfin, très personnelles, quoi. C'est pas toujours facile, quoi, de dire, en fait, je suis vraiment en train de raconter ça, et je suis en train de le raconter comme ça, et dire, et comment tu vas raconter ça? Ben, je vais le raconter comme ça. Ah ouais, t'es sûr? Mais oui, je vais le raconter comme ça, parce que si, parce que ça, parce que ça. C'est pas toujours. Moi, je trouve que c'est un exercice assez difficile, en fait. C'est très thérapeutique. Et en plus, les gens qui sont derrière les commissions, ils se rendent pas compte toujours vraiment de l'impact qu'on est en train de leur montrer, un peu un morceau de nous, qu'on est hyper fragile et vulnérable. Et que des fois, ouais, des fois c'est un peu dur quand même de faire cette espèce de limite entre accoucher d'un film et faire une thérapie derrière et donner des comptes à des gens pour avoir des sous pour le film. Ou alors, du coup, choisir un moyen de production comme Kajika qui est genre autoproduit et faire un peu ce qu'on veut. Mais du coup, c'est quand même très. Enfin, c'est plus long et puis il faut avoir le Ouais. temps Oui, je crois que et la production en court-métrage, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'on sait que c'est une expression à 13 auteurs, où moi j'ai fait plusieurs commissions pour le court-métrage, et il y a quelquefois un rapport, comme vous dites, avec une commission qui ne comprend pas. Et aussi un producteur qui peut aider aussi à cet accouchement et comme ça vous sentez moins seul. Je ne sais pas, Marine, comment ça s'est passé pour vous avec vos producteurs? Très, enfin, très très bien, excusez-moi parce que je reprends parce qu'en même temps, ça me fait beaucoup réagir, du coup je prends mes petites notes et tout. Mais juste pour rebondir en 2 secondes, enfin, je pense que c'est hyper intéressant cette question hein, de ce que tu disais, Kajika, sur tu y es allé à l'instinct et que tu sais pas écrire un film ou autre, alors que je pense qu'en fait, c'est une forme d'écriture et qu'on est tous. Et toutes des équilibres entre des envies, des choses qu'on a posées de manière un peu claire, même si elles n'ont pas une intention hyper directe derrière, et de l'instinct, quoi. Faire des films, Mais aussi c'est. ce que vous avez dit par rapport à l'auto-écriture. Oui, voilà, bah, c'est des formes, en fait. La forme est multiple. Après le jeu de la commission, c'est cette espèce d'équilibre à trouver entre, effectivement, le fait de devoir justifier ou auto-analyser un film qui n'existe pas encore, qui est un exercice Ouais. très complexe On regarde un dossier. et Ouais. qui est en même temps une porte ouverte. Enfin, je pense que voilà, un dossier, c'est aussi la matière vivante du film au moment où il est. Alors effectivement, les retours des commissions, ça peut être des choses qui nous aident beaucoup, des choses qui nous chamboulent complètement. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, même si honnêtement, la recherche de financement, c'est long, c'est compliqué. Même si je suis passée par un comptoir automatique, t'inquiète pas, Mélanie, j'ai mis 4 ou 5 ans à avoir mon budget. Hein, donc, C'est c'est toujours la même toujours, chose, voilà, on est sur des sujets qui fait que, en ouais. même temps, quand j'avais des retours de commission, j'avais des gens qui allaient beaucoup aimer et d'autres qui allaient complètement détester le film. Et je me dis, à partir du moment où c'est comme ça, c'est que je touche à quelque chose aussi. Enfin, Ouais, ça fait il y a parler, un côté à quoi. dire, je préfère ça qu'une non-réaction, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on vient aussi se positionner vis-à-vis de ça. C'est complexe parce que c'est effectivement, c'est un moment de fragilité. Quand on est en écriture, quand on va chercher ces choses-là et tout, et c'est pas forcément évident de se positionner vis-à-vis de notre propre fragilité, et de cet état à la fois Oui, d'avoir le recul nécessaire aussi. voilà. C'est hyper Et compliqué. Et puis en même maintenant temps. que chacun, chacune de vous a fait votre premier film, entre guillemets, parce que en sortant de l'école, c'est plutôt une commande.
So vous êtes dans des sujets très personnels. Est-ce que vous voyez que vous tournez autour de certains thèmes? Où est-ce que vous avez envie d'aller avec votre travail? Qu'est-ce qui vous motive dans ça? Qui veut tu... en premier? Oui, allez. Vas-y, allez-y. Bon. Kajika, peut-être vous pouvez okay. commencer. Ben moi, suite à mon court-métrage, parce que du coup, je l'ai animé, après j'ai dû trouver des musiciens, etc. J'ai fait des travaux sur des fresques, des dessins. Enfin, je me suis installée, enfin, je me suis encore enfermée chez moi, dans mon appartement à Paris. Et j'ai fait un travail de fresque de... En fait, c'est des feuilles qui faisaient 1,50 m sur 10 mètres et j'ai dessiné des centaines et des milliers, enfin, le plan de foule dans mon film. J'ai fait ça sur 1,50 m sur 10 mètres deux fois. Et ça va être exposé dans Paris, etc. Mais ce travail-là parle aussi d'introspection. Et en fait, dans la première fresque, il y a des doudous qui sont des énormes créatures qui, en fait, sont assez monstrueux, mais c'est des créatures qui... l'objet du doudou, c'est l'objet qui te permet de t'individualiser et de quitter le sein de la mère. Et du coup, il y a ce truc où je pense que tout mon travail en soi, il parle d'accepter le fait d'être seul et de comprendre ce qu'est l'amour sans attachement. Et du coup, je pense que ça parle profondément de courage, mais de courage d'assumer son individualité et d'aller le trouver. Et pour moi, le travail artistique, c'est un travail d'introspection. Et d'affirmation. Et c'est pour ça que maintenant, je n'ai plus aucun souci d'anorexie. Mais plutôt, enfin, je l'ai laminé, la maladie, mais l'anorexie, c'était vraiment, après analyse, etc., c'était quelque chose de l'ordre du... toutes les choses sociales qui sont de l'ordre de l'alimentaire et d'aller vers l'autre et d'être en lien avec l'autre, je ne peux plus. Et en fait, je ne pouvais plus parce qu'à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, je pensais à ses besoins, à ce dont il avait, de ce qu'il voulait de moi, etc. Et j'étais en train de me perdre sans arrêt dans l'autre. Et l'art, pour moi, c'est le truc qui me permet d'affirmer en fait ce qui se cache profondément en moi. Le fait de peut-être m'enfermer très longtemps dans mon petit appartement. Oui, c'est vraiment de l'art-thérapie d'une certaine manière. Mais vous arrivez à communiquer avec les autres, c'est très réussi. Et pour vous, Mélanie, est-ce que vous voyez des thèmes qui dégagent, qui vous... Moi, j'ai un peu le même genre d'approche que Kajika aussi. Je vais aller chercher des choses au fond de moi, sur lesquelles j'ai un peu du mal à mettre des mots. Après, moi, je sais que genre, j'ai un énorme besoin d'exprimer et qui se retrouve un peu à travers mes films. Il y a toujours quelqu'un qui finit seul ou personne ne finit ensemble et tout ça. Enfin, genre, il y a toujours quelque chose avec le vide, en fait. Le vide et le fait de se connecter, de se déconnecter et aussi beaucoup de thèmes au niveau du genre aussi, genre des rapports de force et de domination entre les hommes et les femmes, entre les gens entre toutes ces forces qui sont un peu autour de nous, sur lesquelles on n'a pas trop vraiment de contrôle. Et le prochain film là, genre, que je suis en train de faire aussi ça parle de genre quelqu'un qui est seul, qui a été rejeté, enfin j'en parlerai peut-être un peu plus en détail après. Qui recherche la communauté, qui recherche à se créer une communauté, quelqu'un qui a été rejeté, qui recherche le lien, en fait, quoi. C'est un peu la suite du film aussi, quoi. Donc, je pense à un truc sur l'abandon, le vide, le besoin de connexion, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Enfin, Et pour vous, Marine, est-ce que vous voyez quelque chose qui dégage pour vous? Oui, j'ai mes petites marottes. Je pense comme tout le monde. Moi, j'ai quelque chose qui tourne autour du corps.
tour des mains et tout. Enfin, j'ai déjà des marottes graphiques ou des choses qui reviennent dans mes films. On me l'a fait assez remarquer pour que j'en sois un peu consciente. Donc, y a toujours des gros plans de mains ou des mains qui ont une importance hyper particulière dans mes films. Ça, je ne vous ferai pas ma psychanalyse, mais c'est pareil. Il y a forcément des petites choses. Mais en dehors de ça, non, je pense que la plupart du temps, en tout cas, quand je fais mes films, je suis très attachée à quelque chose qu'un de mes intervenants de la Poudrière m'avait dit, qui était Peter Seslin, qui est scénariste, et qui nous avait dit sur l'écriture que plus on allait loin dans le personnel, et plus on devenait universel. Et il y a cette question, en tout cas pour moi, quand j'aborde un projet, d'essayer d'aller au plus proche d'une forme de sincérité envers moi-même et pour les autres. Et moi, ce qui m'importe vraiment, je pense, à chaque fois que j'aborde une thématique, je le vois dans les films que j'ai fait, par exemple, à la Poudrière ou autre, c'est de en transformant quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience personnelle, ouvrir un espace de discussion, en gros. C'est un peu, c'est à chaque fois tourner, c'est des histoires de, généralement, de résilience, qui parlent beaucoup de la famille, du secret, de choses comme ça. Et c'est une manière d'ouvrir un peu des espaces pour, j'espère, en lançant quelques perches, aider certaines personnes peut-être à discuter de choses et d'autres. Oui, c'est très beau ce qu'il a dit, Peter. Ça permet de désinhiber un peu l'écriture aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, c'est forcément personnel, mais on peut aussi se dire que c'est pas... J'espère que c'est personnel, mais pas nombriliste. Voilà, c'est un peu le... Oui, mais c'est ça, vos travaux qui sont tellement bien réussis, que vous étiez... Chacun, chacune dans quelque chose de très personnel, mais nous, on arrive à être dans votre film. C'est super important. Oui, et puis je pense que de toute façon, une fois que tu fais un film, une fois qu'il est fini, après, il ne t'appartient plus, quoi. Enfin, les gens, ils se le réapproprient, ils voient des choses que toi-même, tu n'as pas vues, ils interprètent les symboles. Et ça, je trouve ça assez chouette aussi, de pouvoir en discuter. C'est pour ça que les festivals, ça manque un petit peu des fois en physique, d'avoir vraiment un retour de « Ah, moi, j'ai vu ça dans ton film. » Parce que moi, j'ai reçu quelques petits messages genre « Ah, j'ai vu ton film, il est super. » Et je suis « Ah, bah, merci, super. » Il y a pas vraiment... un peu plus loin. Mais il n'y a pas ce truc « Ah, moi, j'ai ressenti ça parce que j'ai vu ça. » Ou « Moi, j'ai vu ça là. » Et je suis là, genre « Ah ouais. » Et puis, on voit vraiment les gens recréer le film, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi... ouvrir les films et tout ça, et des fois c'est un peu mal vu en mode genre ah t'as pas voulu tu fais une fin ouverte parce que tu sais pas trop ce que tu veux raconter ou quoi. Moi je trouve c'est pas vrai. Moi j'ai envie surtout que le court métrage permet ça. Après je pense que tu peux pas faire la même chose dans un format long ou quelque chose comme ça où tu vas tenir un peu les gens sur une heure et demie, mais le court métrage il permet vraiment ça. Il permet vraiment c'est de la poésie. Enfin moi je le vois comme ça, c'est un poème, c'est un truc, ça fait appel à l'inconscient et ouais, ça ouvre, comme tu disais, ça ouvre les discussions. Et en général, les films comme ça, tu peux demander l'avis de plusieurs personnes. Chacun va y voir des choses différentes, même s'il y a un fil conducteur, quoi. Enfin, les commentaires que j'ai le plus aimé par rapport à mon film, des retours, etc., c'était j'ai absolument rien compris, mais j'ai adoré. génial, c'est parfait. C'était le but, hein, c'est vraiment trop. Non, mais. Je trouve ça très représentatif de la vie. Dans la vie, tu ne comprends pas tout. Si tu adores, c'est génial, tu as touché quelque chose. Ouais, après, il y a des films qui méritent d'être vus plusieurs fois aussi, c'est pour ça qu'ils sont courts aussi. Et c'est intéressant de voir plusieurs fois, c'est intéressant de les revoir après avoir eu un dialogue avec le ou la réalisatrice. Enfin, c'est. Et est-ce que vous voyez un peu dans un linéa, est-ce qu'il y a certaines choses dans le court-métrage, je ne sais pas si vous voulez rester dans le court-métrage, mais est-ce que vous voyez un voie là-dedans qui vous appartient, qui vous ouvre vers quelque chose? Moi, je ne pourrais pas faire des... Enfin, je sais que mon système de narration ne me permet pas de faire du long, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les scénarios, les trucs, c'est pas mon truc, quoi, vraiment. Je l'écris vraiment comme ça,
Et du coup, c'est plutôt une voie vers. Moi, je vois pas comment m'exprimer autrement, quoi, vraiment, quoi. Genre, ce format-là, quoi. Après, genre, le film, il peut faire 5 minutes ou 10 minutes. Ça va peut-être jouer avec ça, mais après, je sais pas trop ce que vous voulez dire par une voix, vraiment, si c'est. Oui, comme un route. Bon, est-ce que vous. Nous ou pour les autres? Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais bien m'enfermer chez moi pendant 10 ans et faire un long métrage toute seule. Ah, vous êtes très courageuse. Non, mais c'est mon mode de vie. Je suis bien toute seule chez moi en train de travailler. Bon, après, c'est un peu dangereux parce que pendant la production de mon court métrage, du coup, au bout de 2 mois, c'était deux, trois mois, un matin, je me suis levée de mon lit et je suis sortie de mon lit et je me suis effondrée par terre parce que mes jambes ne répondaient plus. Parce que je faisais le lit, le bureau, et vraiment pendant 10 minutes, enfin 5 minutes, j'étais par terre et je sentais plus mes jambes. Et je me suis dit, merde, j'ai perdu l'usage de mes jambes, je suis trop bête. Du coup, il faut juste que je fasse de la gymnastique. Quoi. Après, j'ai fait de la gymnastique tous les jours, mais Il va faire une petite balade à un moment, quoi. L'hygiène de vie, des animateurs, des réals. Important, important. Ouais. Mais 10 ans, c'est long, hein. C'est une bonne tranche de vie, 10 ans. Ouais. Et vous, vous n'avez pas envie de collaborer avec des autres, d'échanger. Si, mais il faut que je. C'est vraiment un truc assez exceptionnel de sentir vraiment une sérénité totale avec. Enfin, c'est arrivé avec. J'ai rencontré Judith Nora. Oui. On a fait un Skype et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en train de lui expliquer, j'ai fait un court-métrage, mais je veux quitter l'animation, je voulais juste voir ce que ça faisait de faire un court-métrage. Et en fait, on a discuté pendant 1 heure et on a discuté d'amour et de sagesse et de spiritualité. Et à la fin de 1 heure, on s'est dit au revoir sur Skype et j'ai fermé l'ordinateur et ma tête a implosé. C'était horrible, mes idées partaient dans tous les sens. Ça a duré 3 jours, j'avais envie de vomir, je ne pouvais même plus dessiner. Et du coup, après, au bout de 3 jours, je lui ai dit, je crois que j'ai une idée. Et du coup, il y a cette voix-là, peut-être, qui va donner quelque chose. Mais c'est rare, les personnes où je me rends compte que, ah oui, peut-être que c'est possible de pouvoir rester complètement moi-même et avoir cet espace de liberté et cette sérénité. Mm. Et parce que j'ai besoin d'être honnête dans mon travail. Et ce qui est très compliqué pour moi, c'est d'être trop en empathie avec les valeurs de l'autre et de me dire ok, là il y a un truc qui gêne, je le sens directement. Être phagocyté par l'énergie de l'autre, enfin d'avoir un truc ouais. De oui, oui. Puis de sentir immédiatement ah, il y a quelque chose qui gêne là, mais vraiment c'était ce que je voulais dire. Du coup oui, après moi je pense qu'il y a des personnes avec qui tu peux vraiment enfin genre moi en tout cas la personne Eve de Rook avec qui on a fait le clip, on était vraiment En tout cas, au niveau du graphisme et du film et de la manière de raconter le film, on était vraiment en osmose, quoi. C'était un peu plus compliqué pour les côtés pratiques, les horaires, les machins et tout ça. Mais en tout cas, en termes de le film et les idées qu'on avait et ce qu'on avait envie d'apporter, jamais il y a eu un... Et puis des fois, quand on n'était pas d'accord, on trouvait une autre idée. C'était toujours dans le consensus, quoi. Il n'y avait jamais... Jamais c'était quelqu'un était déçu d'avoir choisi l'idée de l'autre ou quoi. Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir ça avec tout le monde. Hein, mais, C'est hyper beau et je trouve ça hyper beau et totalement exceptionnel ce genre de schéma. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Enfin, j'aimerais travailler avec l'autre, trouver un équilibre, etc. Je pense que c'est quelque chose de. C'est une histoire de rencontre, quoi. Oui, ouais. C'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de rencontre, parce que c'est les bonnes personnes pour les bons projets. Enfin, c'est ce que tu disais à Mélanie. Je pense que après, on va chercher aussi des personnes. Ce ne sera pas forcément la même personne sur tous les projets ou autres. Des sensibilités, des gens qui sont dans une certaine énergie ou dans un certain mood, en fait, pour pouvoir correspondre profondément au projet qu'on est en train de faire. Je pense. Oui, c'est important de bien choisir l'équipe et le producteur avec qui on travaille. Oui. Ça, on ne peut pas tomber amoureux de tout le monde. Bon, on n'est pas censé. Poisonnant. Et est-ce que tu as déjà pensé, Kajika, parce que je pensais comme ça, mais comme tu es sur plusieurs... je veux dire, tu n'es pas arrêté sur un médium, tu as des envies comme ça aussi de bulles créatives ou de choses comme ça. Est-ce que tu as déjà testé des résidences ou autres, par exemple?
Mais résidence, c'est vivre avec. Oui, bien, ouais, je sais pas. Enfin, c'est ce truc où, comme je suis tout le temps mon intuition, etc., si je peux travailler sur place, moi, je travaille immédiatement. C'est comme enfin, le court-métrage, quand je me suis lancée dans Mom, je me suis dit non, mais je veux le faire. Du coup, je l'ai fait. Et je ne me suis pas posé 1 000 questions. Je n'ai même pas cherché de Oui, bien financement. sûr. C'est une amie, Sixtine Dano, une super copine à moi, qui m'a poussée à avoir la bourse du CNC. Elle me rappelait, elle m'envoyait des messages tous les jours. Je lui disais, mais il faut que je fasse une vidéo de moi où je parle, etc. Je lui disais, mais si. Mais sinon, je ne pense pas trop à la survie. Parce qu'il y a des lieux comme ça, enfin en tout cas, il y a des lieux d'ouverture pour certains Ouais. types de créations. Je pensais à ça parce que, à l'IMCA, moi j'ai eu la chance d'être avec Boris Labbé. Je ne sais pas si vous Ouais. voyez qui c'est ou son boulot, quoi. Mais en gros, lui, il a vraiment un côté pluriel. À la fois, il fait des films d'animation qui sont des installations pour les musées, mais qui sont aussi des courts-métrages en soi et aussi des peintures. Il a fait des expos, des choses comme ça. Et lui, typiquement, par exemple, il est allé, si je ne dis pas de bêtises, à la Casa Velasquez. Et du coup, il avait cet espace où, en fait, pendant un certain nombre de mois, il était payé et il avait cette liberté-là de se dire, OK, je crée comme je veux avec cette aide-là et tout pour pouvoir faire les choses. Et tu parlais de faire un long métrage tout seul, c'est un peu aussi comme Sébastien Modenbach à la Villa Médicis. Enfin, il y a des choses qui existent en fait qui permettent aussi d'être dans On d'autres est dynamiques ouais, avec des jardins pour aller se balader pour pas couper les gens. Oui, on peut être soutenu et très concentré dans son travail. Et on a aussi vécu une longue période là de confinement, comme vous disiez, Mélanie, des festivals en ligne. J'avais envie de savoir comment vous avez vécu ça et aussi savoir qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sélectionné à Annecy cette année. Ça fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir. Je sais pas. J'ai envie de dire merci à Judith Nora et à Silex, mes distributeurs. Hein. Moi, j'ai juste fait le film et j'ai vu ce qui se passait. J'ai rencontré des gens, ils m'ont parlé. Ça coule. J'ai envie de dire merci. Ça me fait plaisir. Voilà. Moi, c'était assez dur de fait que j'ai pas encore, enfin, genre comme peut-être la plupart des gens ici, vu mon film au cinéma, sachant que le film que j'ai fait est vraiment, enfin, je l'ai pensé pour le cinéma. Ben bon, ça va arriver là, vu que je vais aller au festival de Zagreb la semaine prochaine et à Annecy aussi. Et du coup, ben moi, mon film là, il est sorti en janvier là, donc genre jusque maintenant, genre c'est pas encore arrivé, mais ça va. J'ai la chance quand même que ça arrive dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent même. Mais sinon, non, c'était bien aussi. Enfin, genre oui, du coup, la sélection à Annecy, genre c'est très important. C'est comme un festival très très prestigieux et je pense qu'il va pousser le film aussi, la suite et tout. Donc moi je suis très content et je remercie beaucoup cette sélection. Et sinon le confinement, moi je trouve que c'était pas mal aussi parce que genre ben quand j'ai fini le film, j'ai une espèce de période de vide comme ça où je détestais l'animation, je voulais plus jamais faire ça de ma vie. Horrible, j'étais au bout du rouleau, j'étais, c'était tout, j'avais rien à raconter de toute façon, c'était qu'une meuf blanche qui a rien à raconter. Donc voilà, c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais après le film. Et puis en fait, vu qu'il n'y avait pas de festival, qu'il ne se passe pas grand-chose, et que je me suis dit, je vais faire du tatouage, fuck l'animation, je crois que ça a laissé pas mal de place dans ma tête et allez, genre j'ai un peu lâché la pression là-dessus, on va dire, en étant un peu radicale, genre plus jamais de la vie. Et au final, bah, un jour, j'ai pris une douche et puis il y a les idées qui sont revenues. J'ai vu un film avec un ami, j'ai vu des choses, j'ai rassemblé des choses. Et puis j'ai parlé beaucoup aux gens qui me disaient que quand même c'était un petit peu radical de ma part de penser comme ça, que j'avais quand même potentiellement des choses à raconter et que ça allait aller.
Et au final, les idées, elles sont revenues, en fait, et très fort même, et très vite, genre en un mois, genre j'avais un prochain projet. Et je pense que peut-être que si on n'avait pas été confinés, peut-être que genre ça ne serait pas arrivé aussi. Donc, genre, je pense que le fait Je pense d'être que emprisonné, ça te serait ou couru plus tard après quand même peut-être, la quoi. libération. Il y a un truc où à un moment donné, on choisit pas forcément ce qui est fait pour soi, Ouais, voilà, mais juste pour la moi, ça chose reste une malédiction, quoi. qui Enfin. se Donc, toi, on est bien fait. épanouis à faire les métiers qu'on a choisis. Super. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop dur. Enfin, mais on le fait quand même, hein, mais c'est de là que je vois que c'est un peu une malédiction. Après, c'est super quand le film est fini, je vais au cinéma, qu'il y a les retours et tout. C'est assez incroyable quand même enfin, genre le pouvoir que ça donne est assez incroyable de sortir vraiment un univers complet de sa tête et de le voir bouger et de le voir vivre. Ça donne quand même un sentiment de puissance assez fort quand même. Mais c'est juste le processus qui est difficile, quoi. C'est le processus et genre c'est pour avoir cette satisfaction-là, elle a un prix, cette satisfaction-là, quand même, quoi. Enfin. Ouais, c'est intéressant cette idée de pouvoir. Le pouvoir de l'expression, le pouvoir de montrer un univers en entier. Mais surtout que Moi, là, ça c'est. bouge et tout, quoi. Enfin, donc c'est vraiment, c'est vivant, quoi. Et pour vous, Marine, comment s'est passée toute cette période? De confinement, alors déjà, j'ai adoré puisque le premier confinement est arrivé pile poil au moment où on était censé faire le travail sur le son du film. Donc, comme je l'ai commencé une semaine après l'annonce du premier confinement, toutes mes dates sont parties. Non, non, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'avoir d'avoir 2 mois et demi supplémentaires pour aller peaufiner l'image. Donc voilà. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'il y a des choses qui étaient prévues sur le film, où je m'étais dit, OK, on va aller à tel endroit pour enregistrer, on va bosser avec telle personne et tout. Et puis finalement, le Covid a fait que ça ne s'est pas passé comme ça et que ça s'est passé autrement. Et c'est très bien aussi. Et j'accueille ces accidents-là, entre guillemets. Avec grand plaisir. Donc voilà, je suis très heureuse de l'expérience qu'il y a eu malgré le contexte sanitaire. Et après, par rapport au festival, c'est un peu particulier parce que j'ai pas, comment dire, j'ai pas l'expérience, moi en tout cas, d'un film de fin d'études qui a cartonné, qui a fait 15 000 festivals ou autres. Donc pour moi, c'est la première fois que j'ai un film en fait qui part comme ça. un peu partout. Alors oui, j'ai la même frustration, hein, forcément. Je pense que le retour de quelqu'un, même s'il est juste en quelques mots, même s'il est très bref ou autre, c'est aussi ce qui vient nous nourrir. Je pense que, voilà, comme le dit Mélanie, on fait pas des films par hasard, que ça demande un investissement, en tout cas personnel, qui est fou et qui a besoin, à un moment donné, sûrement de nourrir ça aussi en soi pour être capable de continuer d'avancer et tout. Et puis parce que j'ai le souvenir aussi de quelques rencontres sur d'autres films où d'un coup il y a quelqu'un qui vient vous voir qui vous offre un cadeau comme ça en vous disant qu'il/elle a été bouleversé et que ça lui a amené telle chose ou telle chose. Et là on se dit, OK, d'accord, Ça sert à quelque chose, c'est pour quoi. ça en fait. C'est-à-dire que moi j'ai été moi j'ai gagné des années de vie en voyant certains films et en me disant de se prendre réellement des claques et de se dire que ça a changé ma vie. Même, ça fait un peu sortir les violons comme ça, mais c'est réel. Je me dis, bon, bah, si je peux amener une toute petite chose comme ça à quelqu'un, c'est que c'est bon. Une seule personne pour un film, c'est super. J'ai pas besoin de plus. Donc, Et là, c'est puissant quand même, quoi, comme médium, quoi. C'est incroyable. Et puis de voir, je ne savais pas du tout, moi, comment le film allait être aussi reçu dans les festivals étrangers. Parce que moi, j'ai l'impression que la voix dans mon film, c'est elle qui nous accompagne de A à Z, c'est une VF. Je sais que les mots sont pas forcément. Enfin, y a... Oui, pareil. C'est, voilà, c'est pas évident. Donc, on se dit comment ça va être reçu ou autre. Donc, j'ai hâte. Voilà, j'ai eu quelques retours. Je suis très heureuse. J'espère en avoir d'autres. Et je suis très heureuse, pour rebondir là-dessus, je suis très, très heureuse d'être bien évidemment sélectionnée à Annecy. C'est quand même un des jalons comme ça. Enfin, j'y croyais pas, j'étais très émue quand je l'ai appris.
Voilà, et puis c'est parce que c'est le festival dans lequel aussi, en grande partie, j'ai découvert l'animation, où je me suis fait mes premières claques, et qu'il y a un truc un peu historiquement parlant sur mon histoire personnelle, où je me dis, oh ouais. Donc cette fois-ci, c'est moi qui vais flipper de voir mon film sur grand écran avec les gens dans la salle, quoi. C'est super. Ah oui, c'est une trip extrêmement fort, ça. Ouais. Un petit mot pour le fin, puisqu'on arrive à la fin. Si vous pouvez chacune nous parler un peu de votre prochain projet. Qu'est-ce que vous allez faire prochainement? Mélanie? Allez, moi, j'ai toujours l'impression de commencer, du coup, je ne vais pas prendre trop de place. Ouais. Moi, là, du coup, il y a ce film-là que je suis en train d'écrire et que je suis en train de développer. C'est un film qui, donc, moi, je pense que c'est un petit peu la suite du premier. C'est un film qui parle un peu de la réappropriation du corps, de la désobéissance et de qu'est-ce qu'on fait quand on est à contre la norme, en fait. Comment on fait pour se recréer quelque chose, un univers, une communauté. Et c'est raconté à travers le mythe de Lilith, qui était la première femme d'Adam et qui s'est fait bannir du Jardin d'Éden parce qu'elle a refusé de se soumettre à Adam. Donc, c'est un film bien féministe. Ouais, qui parle de tout ça et qui aborde pas mal de thèmes avec ce mythe-là. Et du coup, là, pour le moment, je suis en train de... j'ai écrit une première version du scénario, genre, je travaille sur le board, et voilà, j'ai fait des images aussi, et oui, et puis je vais collaborer aussi avec... donc, je voulais vraiment qu'il y ait un truc avec la voix pour ce film, qu'il y ait, genre, donc, il y aura un peu des dialogues, mais il y a aussi c'est des espèces de déambulations dans les enfers, où il y a aussi une voix qui revient, et du coup, je vais travailler avec une autrice afroféministe avec qui je suis déjà en contact et tout ça, donc il y a vraiment une collaboration là-dessus où on écrit des poèmes qui retracent un peu l'histoire de Lilith et qui la remettent dans un contexte contemporain aussi. Donc c'est vraiment un film, c'est très très expérimental, il y a un côté un peu docu, mais c'est vraiment des déambulations, quoi. Et une recherche d'identité et de communauté, quoi. Et c'est la même technique avec beaucoup de noir, parce qu'on a l'impression... Ouais, c'est un peu, c'est la même technique, aussi. Genre, bon, après, il y aura peut-être des choses qui changent. Le film sera un peu plus long, donc peut-être que je vais un petit peu baisser pas baisser la qualité, mais trouver des autres moyens pour que ce soit un petit peu plus facile à animer et tout ça, parce que genre, le film d'avant, c'était quand même assez costaud, on va dire. Ouais. Ça a l'air. Mais bon, là, il y a beaucoup plus de personnages aussi, donc et voilà. Et donc, du coup, pour le moment, cherche des productrices. Ça m'arrangerait vraiment que ce soit des productrices qui soient un peu engagées dans ces causes-là, ou qui soient sensibilisées, en tout cas, aux causes féministes, LGBTQI+. Et voilà. Très bien, je pense qu'il y en a. Je suis certaine. Et pour vous, Marine, c'est quoi votre prochaine? Moi, j'ai deux choses. J'ai repris l'écriture assez récemment d'un autre court-métrage, qui était celui qui était en binôme avec Ceux qui résonnent dans le silence au moment où Papy 3D m'avait proposé de produire. Donc voilà, je remets un peu le nez dedans. J'ai des choses qui reviennent, donc je me dis que c'est le bon moment, voilà. Ça, je pense, de comment on fait la paix avec toutes les versions de qui on aurait pu être. Oui. Voilà, large sujet. Et sinon, j'ai la chance de bosser en ce moment sur un long métrage, puisque Delphine Maury, qui produit En sortant de l'école et avec qui j'ai bossé assez régulièrement, m'a proposé de co-scénariser et de réaliser un long métrage pour enfants, mais pas que, qui s'appelle L'ours et l'ermite, et qui est une adaptation d'un livre de Quentin Blake et Johnny Oman. Donc voilà, là on vient de finir une résidence d'écriture
au long cours sur 9 mois avec le groupe Ouest, qui est fantastique si vous avez l'occasion de faire ça. Mais c'est vraiment axé scénario, mais c'est génialissime. On est 8 projets avec des mélanges de prise de vue réelle, anime et tout. Enfin, on parle absolument pas de technique, on parle de film et on parle de scénario, et ça fait du bien de se poser le carcan anime. C'est pas mal aussi. Oui, c'est très bien. Et voilà, donc là, on est en train de bosser sur le scénario. On a déjà pu présenter le projet en tout premier concept au Cartoon Movie. Donc voilà. Oui, qui était très prometteur. Enfin, c'était très prometteur. Parce que ces dessins sont super. Enfin, mais ouais, c'est génial. La façon que vous l'avez présenté, ça donne envie de voir la suite. Bah, j'ai hâte qu'on y retourne et qu'on mette sincèrement les mains dedans. Ouais. C'est un peu le projet là dans les mois qui viennent. Mais quel cadeau de pouvoir animer du Quentin Blake, c'est fou. Donc on essaye de faire l'histoire à la hauteur du livre et du talent de ces deux monsieur. Voilà. Ouais. Super. Et Kajika, vous allez vous enfermer pendant 10 ans? Alors, en fait, là, je suis en burn-out de vacances parce que je m'oblige à prendre des vacances, ce que je n'ai pas fait pendant 10 ans. Ah! Du coup, là, je suis à la limite de... Je pense que je voulais faire une remise à zéro avec mon travail et de prendre du recul vis-à-vis de mon travail. Je sais faire une vie. Et j'ai envie que tous mes prochains projets soient vraiment des hymnes à la vie et qu'il n'y ait plus de problèmes à résoudre. Que ce soit la solution et pas le problème. Positif, il y a un truc où j'ai juste envie qu'il n'y ait plus aucun problème, même vis-à-vis de ma relation dans le dessin, et que ça soit juste du plaisir brut et la recherche du beau, quoi. Du coup, c'est... Mon ça retour sur termine... c'est programmé comme ça. Et ça termine quand, ces vacances? Bah, bientôt, là, parce que j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Il y a ma tête qui part dans tous les sens, c'est insupportable. Mais tu écris quand même un petit peu. Non, j'essaye de ne rien faire. J'ai essayé de passer mon permis de conduire et de passer mon permis de conduire moto, mais j'ai cassé la moto du moniteur. Du coup, je pense que je pense que l'art, c'est mon truc. Je ne vais pas essayer de faire d'autres choses, ça ne marche pas. Et c'est pas ne rien faire, ça, on est d'accord. Non, c'est pas ne rien faire, mais c'était quand même essayer de, je sais pas, de faire confiance en mon corps, de faire des choses que tout le monde fait. Et que moi, j'ai à côté, je suis spécialisée dans mon truc, je suis un peu autiste, mais qu'est-ce qui se passe si je sors de la comfort zone? Bah, je casse des motos. Voilà. Bon, peut-être ça va arriver quelque part dans le prochain projet, on ne sait jamais. Hein? Oui. Oh, super. Mais en tout cas, j'ai envie qu'il y ait de la joie et de la vie. Ça, c'est un très beau projet. Ouais, c'est un beau programme. Ouais. Ouais, ça, j'adhère. La joie de vivre. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vais juste rappeler les titres de vos films. Que je recommande vivement. Mélanie, son film s'appelle Hold Me Tight, Kajika, Mom, et Marine, Ce qui résonne dans le silence. So, je vous souhaite un super festival. Merci. J'espère que vous auriez des très bons retours qui vont vous faire chambouiller et vibrer. Et j'ai hâte de voir vos prochaines productions. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à toutes. Merci à toutes. Prenez soin de vous. Hein.